À tous et à toutes. J'ai trouvé des petits flots comme ceci à 79 centimes dans les tons de jaune. On peut les ancrer, donc peu importe la couleur. Bon, ça aurait été en violet, ça m'aurait plus dérangé. Mais je pourrais faire du vintage, pas du shabby. Je me faisais envie, c'était trop mignon. Alors j'en ai pris ces tendances faites à 79 centimes. J'ai également retrouvé de l'arrivage rayère à 99 centimes des trois feuilles plastiques que j'adore. J'ai trouvé Luther Star décoration des jolies étoiles en tissu. Ouais, en tissu, elles sont jolies. Parce que franchement, bien faites, trop beau, ça apporte de la matière, c'est une création. C'est trop joli. Alors, il y a différentes tailles, des petites, des moyennes. Et j'ai payé ça, mais tu es toute mignonne, 59 centimes. Si je prends, bah oui, c'est Noël, faut bien que je vous fasse des créations de Noël. J'ai également pris ce pinceau, dont le make-up, en fait, c'est pour faire des teintures pour les cheveux, à 1,50€, tout simplement, je me dis, pour faire mes gouttes. Parce que là, je vais tester, hein. Mais, ou sinon, je peux faire des effets avec des peintures, tout ça, machin. 1,50€, et puis les poils, c'est du costaud. Je me suis dit, j'ai pris pour essentiellement essayer de faire mes gouttes d'étoiles sur un fond de ciel, admettons, mettre des gouttes d'eau. Je sais pas, ça va le remplacer, moi j'en ai un, mais je sais pas, j'y arrive pas. Le pinceau en éventail. Donc je vais tester ça. Ensuite, il y a un arrivage dans mon nose de Nelly, je sais plus, Nelly Choice, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est là. De Nelly Choice. Alors un arrivage de pochoir. Eh oui, je me refais pas. À 99 centimes. C'est juste trop beau. J'adore. Moi, je suis une énorme fan de pochoir. Et il y avait celui-ci. Alors à 99 centimes. Toujours de la marque de Nelly Choice. Celui-ci, trop joli. Magnifique. Et il est pour celle. De toute façon, on s'en rend compte. Hein. Il est très épais. Donc, vous pouvez y aller. Il y avait également celui-ci, toujours de la même marque. Il y avait plein de choses de cette marque-là. Évidemment, j'en ai pas pris. Hein. Je ne vais pas acheter tout nose. J'ai pris essentiellement, il y a d'autres pochoirs qui m'ont pas plu. Il y a aussi des dyes. Il y a un arrivage de dyes et tout. Enfin bref, je n'ai pas tout pris. J'ai pris donc celui-ci. C'est trop bien. J'ai également trouvé, je suis contente, j'adore les dots. Et j'ai trouvé des petites dots comme à 60% sur je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien je les ai payées. 60%, une décote de 60% sur, je n'ai pas les prix. Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas mon ticket. J'ai trouvé ces petites dots là, j'aime beaucoup. Et j'ai également trouvé celle-ci, je pense que c'est 99 centimes, avec la petite paillette dessus. Super. J'ai trouvé des petits timbres de j'aime bien, toujours pour mon projet de life. Vous voyez, il y a des mots français, la vie est belle, toi et moi. C'est des petits timbres de la marque Artemio. J'ai payé ça 99 centimes. Il y en a des trop beaux. Séquence émotion. C'est trop chouette. J'ai pris ça. Ensuite, arrivage toujours de la marque Nail Choice, des plaques de gaufrage. Il y en a qui ne me plaisaient pas non plus. J'ai pris celle-ci. J'aurais bien aimé trouver celle-ci. Alors, il y avait celle-ci. Il y avait un truc de Noël. Il y avait des étoiles. Moi, c'est celle-ci que j'ai, je crois. Oui, c'est celle-là. Alors, elles ont une dimension bien particulière. Elles font 21 cm de long sur... Je n'ai pas regardé la... Sur 10. Elles font 21 sur 10. C'est original. Ça me fait penser aux grandes cartes slim. On pourrait carrément bosser pour faire une carte slim. Je pense que c'est peut-être fait à la base pour ça. Il y a un arrivage de plaques comme ça qui font 21 cm sur 10 cm. Il y a également celle-ci. Je vous montre derrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est celle-ci qui fait avec des étoiles, des petites voluptes. Pareil, elle fait 21 cm sur 10. J'ai trouvé pareil de la même marque, mais on va dire en format classique. Alors celle-ci, je ne vous ai pas dit le prix. 99 centimes. C'est quand même moins cher. Et j'ai trouvé ceci. Je trouve ça super sympa. À 99 centimes, c'est voilà, des arbres sans feuilles. Je kiffe. À 99 centimes. Et normalement, oh, il devait être trop beau celui-là. Il n'y était pas. Il n'y était pas. Donc ça se trouve, regardez, vous aurez peut-être ça. C'est classeur de gaufrage dans vos noses. Celui-là, il doit être super. Moi, je n'avais que celui-ci de cette taille-là. L'écran, j'en avais plusieurs. Trop. Ah non! Je vous montre. Il y était aussi celui-là. J'ai pas pris. Les cadres, j'ai un peu de mal. Mais celui-ci, il y aurait été, je l'aurais pris. Si vous repassez un petit coup de patine dessus, ça ferait trop beau. J'ai pris celui-ci. 99 centimes.
J'ai également pris nos craft stickers. Hein, je ne sais pas de qui c'est ça. Des petits stickers, mais c'est trop bien. Ça fait des petites lettres comme ça. On dirait des trucs de machine. Machine à laver, moi. De machine à écrire. À 99 centimes. Donc, vous savez, l'alphabet. Ah, je me suis. Il y a argent et doré. Bon, c'est pas grave. J'ai dit, j'en prends deux parce que. Mais bon, il y a 3A. Ça part vite. J'ai également pris. Pareil. De la marque Nellicious. C'est des, je vais vous le déballer, c'est des commandes pochoirs qu'on superpose. En plus, il y a de quoi les mettre dans un petit classeur. Et en fait, au départ, on pose le ceci. Ensuite, on vient remettre ceci et on vient mettre ça. Ça vous permet de vous créer avec différentes couleurs, des fonds, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous superposez et ça vous crée votre décor. Comme ça, je pense. Ça vous a créé. Non, non, c'était bien comme ça. Comme les dies en 3D. Ça vous permet de jouer. Une fois que vous avez fait ceci avec vos encres, vous remettez le deuxième, vous attendez que ça sèche. Vous repassez vos encres, vous attendez que ça sèche. Vous remettez le troisième pochoir dessus, vous passez vos encres. Et ça vous donne une sensation de 3D. J'avais ceci de cette marque-là. J'ai pris parce que ça peut être sympa. J'ai un peu de mal avec les perspectives. Et ces pochoirs-là sont à 1,99€. Et celui-ci, ça fait un trompe-l'œil. Vous avez trois pochoirs. Je les ouvre. De toute façon, je les mets dans des classeurs, moi, mes pochoirs. Vous voyez, vous avez un tout petit, un peu plus grand et plus grand. Ça fait un effet de profondeur sur une création. Ça peut être super sympa, ça. Si j'ai pris, je vais garder juste une pochette pour les mettre dedans. Et ça, c'est 1,99€. Il y en avait encore tout plein. Donc, c'est celui-ci. J'aurais bien voulu les alvéoles. Comme ça aurait été sympa aussi. En fait, je ne sais pas s'ils y étaient. Il y avait tellement de trucs. Et puis, j'y suis vraiment... Ce n'était pas prévu. J'y suis allée vraiment en coup de vent. Parce que toujours dans l'espoir de trouver l'arrivage de Marlène. Si je désespère, je ne l'aurais pas. C'est pas grave. Que j'y suis allée en coup de vent. Et j'ai pris... Parce que je n'avais pas de baleine. Vous voyez des petits mots qu'on peut caser aussi. Et des tout petits mots comme ça. Ça, c'est bien pour le Project Life. Et ces tampons-là, à 99 centimes, c'est de la marque, je sais pas quoi, parce que c'est caché. Parce que je n'avais pas de... Sous le thème marin, j'ai pas grand-chose. Hein. Alors, donc, je me suis dit, j'ai une petite baleine. Faut voir coloriser, ça peut être sympa. 99 centimes. Et j'ai pris ce bloc-là, à 1,50€. Vous voyez, il y a longtemps qu'il y était. J'hésitais à chaque fois à le prendre. Il y avait des papiers qui m'intéressaient. J'adore ça. Le côté mer. Regardez comme il est trop beau, celui-là. Toujours pareil, pour faire mes petits collages, mes arrangements. Des portées de musique, on dirait. Pour faire mes cartes de Project Life. Ça, j'aime moins, c'est très enfantin. Bon, le feuillage, je le trouve très, très joli. C'était à 1,50€. Donc, ça moins. Mais alors, le fleuri, là, il est trop beau. Peut-être, je vous ferai peut-être une carte avec ça. Ça me donne une idée. Il y en a des sympas. Ça fait penser à la piscine. Un petit peu mosaïque. Ça, non. Très, très enfantin. Je n'aime pas du tout. Ça peut passer. Ça peut passer aussi. Ça aussi, il y a des très sages, là. Ça peut passer. C'est très joli. Ça, c'est sympa aussi. Bon, là, on a des summer day. Voilà, océan. On a des petits coraux. Ça peut passer. Il est super sympa, les petits coquillages. En plus, ça, j'adore le Vichy là. Il y a des petits trucs où on est au bord, où il y a des photos, où il est petit, où on est là au bord de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien parce qu'il, en même temps, il a un côté vintage. Et j'aime bien. Et mon fils aussi adore le vintage. Comment vous dire que c'est parfait? Ouais, il n'est pas très couleur flashy, hein, je lui dis. Hein. Mais non, il n'aime pas du tout. Vous ne lui mettrez jamais un pull orange. Alors ça, jamais de la vie orange. Ou bariolé. Il a fait un effort pour mettre du rouge là, mais sinon, c'est pas moi qui lui interdit, hein. Au contraire. Hein. Quand il était petit, je lui avais acheté un truc. Je raconte ma vie là. Oui, je raconte ma vie, Higgins. Oui, tu racontes ta vie. Je lui avais acheté un petit polo, mais alors, je vous dis pas la marque, parce que voilà. Et bien, du fait qu'il a pas aimé la couleur, il a donné un coup de ciseau dedans. Il était tout petit, hein. Il était à l'école maternelle. Ben, j'ai pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as un. Ben, comme ça, tu me le remettras pas, parce que c'est moche. C'est pour vous dire que ça vient pas de moi. Enfin, bref. Donc, c'est très bien, je suis contente, je vais pouvoir avancer dans ma confection de mes albums. J'ai trouvé des dies, alors j'en avais plein. J'ai pris celui-ci parce que j'aimais bien, c'est les papillons qui se posent. Comme ça, là, ça peut être sympa. Mais ils ont l'air d'être jolis. À 1,99€, ça va. Hein, pour un die, c'est encore moins cher que chez Action. Je pense que ça va couper. Je ne les ai pas testés, mais j'ai jamais été déçu. Moi, bon, j'ai la toga, donc les dies, moi, ça passe. Jamais de souci. J'aimais bien parce qu'il y avait comme des moitiés de papillons. Ensuite, là, j'ai trouvé ceci à 1€ parce qu'il y avait une décote de 60%. C'est de l'adhésif. C'est un rouleau. Et ça, pareil, pour créer des fonds. Venir jouer avec ses encres à alcool dessus.
avec son gesso noir pour le vieillir. Je vous ferai peut-être sans doute si j'ai le temps, parce que j'ai tellement de choses, tellement d'idées. C'est aussi une technique que je vous montrerai aussi. Si vous n'avez pas ce genre de truc là, on peut le remplacer par autre chose. Mais on fait plein de choses sur ce genre d'adhésif là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et ça fait un côté indu, des découpes et tout ça, et des fonds, et patati et patata. On peut recouvrir les meubles aussi. C'est un adhésif décoratif. Oui, mais d'ailleurs, il recouvre même une crédence. Mais non, je vais pas faire ça. Donc ça, c'est pour moi. Scrap. Ensuite, il y avait des petits contenants à 75 centimes. Donc là, je ne sais plus. Oui, je vous ai dit 1 euro. Vide, tout simplement, pour y préparer mes différentes pâtes de structure. J'utilise la pâte Instant de chez Action. Pour la rendre plus élastique et plus fluide, j'utilise le pouring medium de chez Action. Et j'y ajoute des marcs de café. J'y ajoute du sable très fin. J'y ajoute quoi encore? De l'argile colorée, des pigments pour en avoir un peu de différentes structures. C'est bien d'avoir des contenants qui sont assez hermétiques. En plus, il y a l'opercule dessus. Et puis, le contenant n'est pas si énorme. Il y en aurait plus, j'aurais pu. Mais je dis, c'est assez sympa pour faire mes petites. Parce qu'à chaque fois, je me prépare un petit truc là. Mais au moins, ils sont préparés d'avance. Et c'est 75 centimes. De chez pas cher. Ah, si. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? J'ai trouvé, c'est des appâts artificiels. Alors, c'est vrai que ça chlingue. Mais moi, je les lave. Qu'après, ils perdent leur odeur. Parce qu'il faut savoir que c'est en plastique. C'est pas en plastique, c'est en silicone. C'est des bestioles, c'est des petits verres. Comme ça. Oui, moi, c'est pour mettre dans mes petites fioles, dans ma boutique de curiosité, même pour coller. Forcément, il faut les laver parce qu'ils ont un produit dessus qui attire les poissons. Forcément, donc ça chlingue le poisson. Donc, il faut les nettoyer. Donc, ça, c'est génial. Oui, j'ai mis bien les petits verres comme ça. Oui, c'est trop beau. Ça, je ne sais plus combien j'ai payé. 99 centimes. J'ai trouvé, tiens, arrivage, pas pris toutes les couleurs. Des petites peintures comme ceci. Pontura Paint. C'est de la peinture pour faire des petits points. Donc, je me suis dit peut-être que... C'est dommage qu'il n'y ait pas... Donc, il y a un noir... Mais je n'ai pas trouvé de blanc. J'aurais pu faire mes petits points blancs en ciel. Que c'est pour faire des petits points sur des créations. Je raconte pas de bêtises. Donc c'est de l'acrylique. Est une couleur qui sèche vite pour faire des petits points sur vos cartes. Cette couleur est soluble à l'eau et ne contient pas de produits dommageables. Et c'était à 59 centimes. Il y avait tout plein de couleurs. Moi j'ai pris donc celle-ci. Un jaune, un orange, un noir, un bleu ciel, un mauve, un parme, un bleu plus soutenu et un violet. Petit tout petit, ça prend pas de place. Puis c'est vrai que ça peut être sympa sur une touche, faut que je voie comment ça fonctionne. J'ai pris. Ensuite, 79 centimes, c'est des perles toutes petites comme ça, pareil, pour coller sur mes petites ATC. Vous savez, c'est plutôt pour faire des collages sur mes petites cartes, petites ATC, ça fait des petits embellissements. À 79 centimes, ce sont des perles plates. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ça, c'est plus quand je fais mes bidouilles. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Quand je fais des mini-vitrines, je bidouille des trucs. J'achète pas. C'est sûr qu'on peut acheter des choses toutes faites. Je l'ai fait moi-même. Je vais créer ma cafetière. Je vais créer ma machine à écrire. Je crée certains objets moi-même. J'utilise la Fimo. J'utilise tout plein de techniques. Et je me suis dit, ces trucs-là, ça pourrait me servir. C'est tout simplement, vous allez me dire, j'aurais pu faire ça, mais ils sont déjà faits. C'est des petits anneaux. On va même faire une baille. C'est un peu large. Et je me dis, ça peut être sympa. Faire un ciel de lit. Enfin, ne cherchez pas. C'est à 50 centimes. Il doit en avoir 3, 6. Il y en a 10 dedans. Ça, c'est pour créer mes petites bidouilles de miniatures moi-même. Ça, des fois, vous trouvez des trucs un peu que je détourne et que j'utilise pour créer d'autres choses. Action, moi. Nose, c'est terminé. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a eu quand même un bel arrivage hein, de cette marque-là. Je n'ai pas tout pris parce qu'il y a un moment, ben... Faut savoir dire non, hein. J'ai pris vraiment, ça, j'ai pas vraiment l'utilité, mais je me dis, oh, j'en avais pas des comme ça. J'ai pris vraiment ce que je vais utiliser. J'ai pensé à vous, mais oui. Vous avez été sage. Alors, je vous en ai trouvé deux. Alors, d'ailleurs, j'ai pris les trois derniers. Je vous ai trouvé des dice papillons. Alors, en fait, c'est pas les mêmes, mais des comme ça, j'en ai déjà. Je vous le laisse pour vos commentaires. Donc, le premier tirage, ça sera celui-ci, avec les trois papillons. Ils ont l'air d'être pas mal. Et le deuxième commentaire, le deuxième tirage, il y aura celui-ci. Enfin, les papillons de moitié. Voilà pour vous. Un commentaire, comme d'habitude. Bon, maintenant, vous savez. Premier tirage. Deuxième tirage, première gagnante, deuxième gagnante, ou gagnant, ou gagnante. On va y arriver, c'est la fin de ma vidéo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.